le Tohu Bohu. Tous les vendredis, de 21h à 23h, sur VL. Je voulais aussi un peu revenir sur l'histoire du groupe. Comment s'est fait la création? La création. En fait, ça, c'est quoi? Ça a commencé par un maton de FOG. Ils ont fait un son au départ. C'est ça. Les deux. Ils ont fait un son au départ et moi j'étais dans un autre groupe. R13 Cartel. On voit que ça taquine un peu parce que c'était les débuts, c'est ça? C'était un peu plus compliqué. Lui, quand il rappe, qu'elle était plus, on dirait une fille, il rappe comme une fille. C'est quoi rapper comme une fille? Parce que tu vois, moi j'ai une voix aiguë un peu. Vas-y. Mais regarde, déjà je vais t'expliquer comment c'est passé. Tu vois, lui et moi on était dans le même collège. Déjà il écoutait Chris Brown. Oh, il faisait des danses comme ça. Ah ouais, John, ouais. Il ment. John, c'est acteur, danseur, c'est tout. Non, il ment. Il est venu me voir. J'étais au fond de la cour parce que je rappais déjà. Il m'a dit, hé, je vais faire un texte, tout ça. Je peux te faire écouter, mais dis à personne ça. Je dis, wesh, prends ta honte. Il m'a emmené au fond de la cour. Hein. Je me rappelle, j'étais avec une nana, il m'a emmené. La nana, elle était débordée. Vous voulez rester avec moi? Il m'a emmené au fond de la cour, tout ça. Et après, je lui dis, à quoi il me fait son texte, tout ça. Moi, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, hey, mais c'est rappé lui en fait. Je l'ai pris comme ça, viens avec moi. Je l'ai pris, il est venu. Et après, vous étiez à deux? Non, après. Et après, il y avait Faudier. On était et déjà avec eux, genre. Ouais. Et moi, j'étais déjà avec eux. On a recruté John. Ouais. Recruté. Ils avaient besoin de et renfort. Et après, ils ont fait des sons à 3. Moi, j'étais pas encore là. J'avais un groupe à l'ancienne. À 13 Cartel. Après, c'est à partir de quel son on a... Après, on a fait un son, nous 4, ça s'appelait TSL. Ouais. Transact sur la Lune, ouais. Ça voulait dire. On était jeunes. Ouais. Ah, j'étais jeune. Et ouais, ça s'appelait TSL. Après, vous pouvez voir l'évolution aussi entre les deux, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, quand je regarde nos anciens clips, tout ça, ça me fait rire. Hein. Bah, c'est là où tu. C'est bien, tu juges l'évolution. Bah ouais. Ouais. Toi, Faudier, qu'est-ce que. Il y a des gens, ils suppriment leurs clips, tout ça. Ouais, non, vous, non. Moi, je peux pas supprimer. Je sais d'où je viens. Faudier, toi, tu penses quoi de votre évolution réellement du groupe? Ça a bien monté, hein. La rage. Avant, on faisait des 12K, hein. Et là, des 4 millions. Ouais. Et toi, donc Faudier, t'étais dans le groupe A3 avec Popeye et Matt. C'est lui la création. Ouais. C'est vraiment toi, hein? Ouais, c'est moi la création avec Matondo. Comment t'as décidé de commencer le rap en fait, finalement? C'était au collège, on a fait un petit son comme ça, un petit freestyle. Après, comme on a clippé gratuit, bah. Directement, on est parti clipper après. Fierté de la ville. Ouais, après on a continué. Hein. Et voilà, et là ça monte 700 000 en une semaine, des 4 millions de vues. Ouais. Plus de 10 millions de vues en tout pour la série DLV quand même. Hein. Accumulé. Et est-ce que vous vous attendiez à ça réellement? 10 millions de vues pour les 5? Non. Non, nous on s'attendait à 10 milliards, mais. Ouais, ouais. Ouais, Popeye il est comme ça, il signe au Barça, 10 milliards de vues, ouais. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Non, franchement, c'est cool, 10 ouais, millions. C'est lourd. Et bientôt, on espère 10 millions dans un seul clip bientôt. Bientôt? Ouais, bientôt. Peut-être avec un son qui arrive, est-ce qu'il y a des sons qui vont arriver? La ouais. série, ça sera pour tout de suite ou un petit peu non, plus tard? Non, d'abord, il y a une mixtape. Ouais, mixtape, on va en parler, ouais, la mixtape. Est-ce que vous avez des infos sur ça, sur cette mixtape? La mixtape, elle va s'appeler Dans la ville. Donc comme la série. Comme la série. Il y aura les 5 morceaux dans la mixtape? Non, que le 5. Que le 5, je pense, ouais. C'est le 4. Et ça va vraiment être dans la ville ou vous allez on remettre les appréciations, les abréviations DLV. Non, DLV. Dans la ville. C'est vraiment dans la ville. Ville, ok. Dans la ville. Et est-ce que ça va être un jeu d'acteur, enfin une histoire, parce que vous aimez bien aussi faire des petites histoires, raconter les histoires. De cette mixtape, vous voyez dans les DLV et dans les sons qu'on fait auparavant, il y a presque que de la trappe. Ouais. Et dans cette mixtape, on essaie de s'élargir, de faire un peu de tout. Faut tout faire maintenant. Est-ce qu'il y aura donc il y aura de meuf, la trappe, voilà, son de meuf, il y aura vraiment tout. Il y aura tout. Comment vous attendiez l'accueil du public sur ce projet-là, sur la mixtape? Après, là, moi, j'ai envie de dire, c'est là, on va voir s'ils nous soutiennent vraiment ou pas. J'espère qu'ils sont prêts. Hein. Ouais. Ça va vous annoncer du très lourd. Ouais, 10 milliards de vues, comme dirait Popeye. Ouais, 10 milliards de streams, comme dirait Popeye. Ouais. On vous a vu aussi sur le Planète Rap de Capon. Ouais. Comment s'est passé à Skyrock? C'est le frérot, Capon. Ouais, c'est bien passé. Hein. Ouais. Ouais. C'est vu du monde ce jour-là. Il y avait Tahuzi, Nino, Leto, Chebé même. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait du gros monde. Ouais. Comment ça s'est passé? Après, c'était la première fois qu'on passait en sur live. Sky. Ouais, déjà en live et sur Sky. Après, bah, il y avait une petite boule au ventre au début, mais c'est bien passé. Après, dès que ça commence, ça y va, quoi. C'est le naturel qui revient. Et... En plus, on a fait un extrême de mixtape en plus. À retrouver sur la chaîne YouTube de Sky. Ouais, exactement. Bénéfice. Et Capoin qui a sorti son album. Ouais, très bien. Est-ce que vous avez kiffé l'album de Capoin? J'ai kiffé. Enfin, moi... De Riz également dans le. De notre ville, carrément. Ouais, Riz Orangis, votre ville. Ouais, de notre ville. Moi, dans son album, le son qui m'a vraiment marqué, c'est Un Pas. Un Pas, ouais.
Pour moi, c'est un pas dans le milli. Ouais, franchement, il est lourd. Je souhaite de faire un disque d'or à Capon. Hein. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter de toute façon. Et vous, les gars, qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter pour la suite? De la réussite. Moi, c'est ça que je vise, un disque d'or. Disque d'or accroché comme ça dans ma chambre. Dans la chambre directe. Bah on espère, hein, la mixtape qui arrive fort, qui s'appellera Dans la ville. Dans la ville. Et donc un extrait bénéfice qui est aussi disponible sur la chaîne de Sky. Mais voilà, il y a aussi des clips qui arrivent. Une autre série également. Sûrement. C'est ça la suite. Qu'est-ce qu'il y a encore pour la suite? Il y a du lourd là. Ouais, une autre série. Après peut-être parce qu'on a fait, on n'a pas fait vraiment de gros feats. Est-ce qu'il y a un feat de prévu d'ailleurs? Pour l'instant non, pour l'instant. Mais pourquoi pas? Ça serait quoi le feat de vos rêves à chacun? Je t'écoute. John. Non, toi, je t'écoute. Moi, avec XXXTentacion. Ah, malheureusement, je pense pas que ça va être compliqué. Ça va être dur là. Ou Migos. Toi, t'as à l'américaine. Avec les Migos. Ouais. Toi, John. Je sais pas, Migos. Moi, 6ix9ine. Non, 6ix9ine. 6ix9ine. Ouais, moi, 6ix9ine. Il a fait d'ailleurs un feat avec la crime. Hein. Ouais. Donc, Et toi, Faudier? Nous, c'est Tupac. Hein. Tupac. Vraiment. Ah, hein. Vous aimez bien les rappeurs, coup, c'est le DJ. C'est à l'US. Non, et moi en France, le feat que je voudrais faire, c'est avec Nino. Nino? Avec Nino, comme ça, qu'il perd son trophée de. Qu'il lave tout le monde. Ouais, qu'il lave tout le monde. Il est fort. Tu l'as défié carrément, ouais, comme ça. Tu le défies, Popeye. Il y en a qui ont confiance en eux, hein. Et il faut. John. Si tu m'entends, je te demande aussi. Hein. Attends. On stoppe tout. Vas-y, Popeye. Je te propose un octogone tout de suite. Donc, Nino, tu lui dis le jour, la date, l'heure, et le feat. Et le studio. Et le studio. Je te propose un feat tout de suite. John. Moi aussi, hein, je sais pas, Nino. Ouais, Nino. 13 blocs. Mais j'aime bien aussi. 13 blocs aussi de ce rang. Moi, j'aime bien Landy aussi. Landy, ouais, qui va sortir son album, là, c'est le 8 mars. Et il a sorti le feat avec Dadju hier, Muerte. Muerte, ouais. Ouais, c'était hier. Ses feats en plus marchent bien, Landy. Ah oui. Bah, on a déjà Mito qui avait bien marché. On a vu le feat avec Jul. Squadra aussi. Squadra. Bien sûr, en bas de chez moi, bah, c'est son plus gros feat pour moi. Ouais. En bas de chez moi avec Landy. Mais avec Squadra, il fait des bons feats. Ouais. Et toi, Faudi, en France, un petit feat de rêve? Non, pas de feat. Ah, toi, t'es solo ou à l'américaine? Ouais. Voilà, bah merci les gars. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.